Word up. Rap guérilla. Partisan du hip hop. Partisan du hip hop. Yeah, it's back. It's so good. Quand on est riche, toutes les lois sont de ton côté. Et quand on est pauvre, on apprend le droit de voler. Juste celui de se faire voler, de se faire entuber. Alors ça, oui, sans problème. Et ce sont des bourgeois qui nous volent notre fric, notre bonheur et notre dignité en toute légalité. Chaque jour, ces escrocs, fils d'escrocs, protégés par toutes sortes de lois que leurs aïeux ont mis en place, ils te mettent la main dans la poche et le doigt dans le cul. Oh, si j'avais été noble. La noblesse est la plus inutile de toutes les choses. Et le peuple est bien sûr qui se prosterne devant elle. Voilà. Voilà qui est parlé. D'accord, monsieur le petit chef. Vous avez une maison, une voiture, des vêtements et du fric bien au chaud dans une banque. Eh ben moi, de mes 35 ans de travail, il ne reste rien. Ce qui reste de ma vie, c'est pas sur votre petite fiche, c'est mon flingue. Ah, je suppose que vous avez pas l'habitude des flingues. Mais moi, c'est du fric que j'ai pas l'habitude. L'enfer, ma beauté, c'est de se lever tous les matins et de pas savoir pourquoi t'es là. Toutes les fois, on va nous dire, oui, 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 monsieur, à ceux qui nous traitaient comme des merdes. Tu comprendras jamais. Pas la peine de se prendre la tête, hein. Parce que le pire dans ces cas-là, tu vois, c'est de regarder des types comme toi, d'avoir enfin une bonne action à se mettre sous la dent pour congeler la platitude de leur petite fille. Fiche. Comme vous dites. Et à quoi devons-nous nous attendre? L'insurrection, pardon. Les citoyens vont descendre à la rue. Nous n'aurons plus qu'à nous enfermer dans nos propres geôles. Vous verrez l'anarchie. Savez-vous ce que ça veut dire? L'anarchie. Gouvernement, qu'est-ce qu'ils font? Il n'y a pas de gouvernement. Bien sûr qu'il y a un gouvernement. Il y a toujours un gouvernement et ils sont. Non, il n'y a pas de gouvernement. Pas de police. Pas de police. Pas d'armée. C'est fini, tu comprends? Cette fois, c'est pas une bagarre entre deux piliers de comptoir. Ou un connard qui veut cramer la gueule de quelqu'un avec sa bonbonne de gaz. C'est du lourd, ma petite caille.